bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable boter baou une nouvelle émission. Jeudi à ce dimanche 4 décembre 2022. Alors, on a salué tout cela qui à l'étranger, tout cela qui en Haïti. Et j'en me dis non. Et je pense que tout le monde qui convoit et qui choye pour RL Pod fait geste avec un peu le monde classe défavorisée. Donc, on est numéro 1. Alors, faut me dire non bien que, eh bien, nous sommes capables de continuer. Entrez en contact avec moi pour nous capables connaître comment on a continué voyer ti ki choy pour Silao qui en Haïti, surtout Silao qui dans Cité Soleil, dans Grand Ravine, dans Tibois, dans Martissant, moun qui vraiment dans difficulté. On a commencé avec dossier qui concernait G9. Et ti junior allait, mais fon dit que G9 existait. Et qui s'est passé, pourquoi il est là, c'est que après funérailles Ti Junior, eh bien pourquoi il est là, G9 obligé remplacer lui par yon l'autre chef. Et nèg qui remplace Ti Junior là, monsieur les Mac. Alors on pas gagné trop d'informations sous biographie Mac, mais nous mettez drone nous en l'air pour nous capable porter plus d'informations baou. Bref, on dit donc que Ti Junior c'était une nèg qui était gagné pile cob. Ouais. En pile cob parce que gen pile couloir Ti Junior te gagné, eh bien en pile nek G9 pas de gagné couloir ça yo. Et je ne jodi a fon di que Ti Junior l'étape vive en grain 5 tout parce que le wa fait cob ça yo gon jan pou dil ou pas cap faire l'argent ou empêcher nek faire l'argent pa yo. Est-ce que nous comprenons? Ti Junior gen pile nek Ti Junior touye gen pile nèg l'autre base ta coup base craché du feu nèg se te gen bon petit problème avec Ti Junior. Bref, j'ai l'impression que monsieur tape toujours mouri. Et puis écoutez, et dossier Cité Soleil là côté les nèg te al fait presque m'ta capable dire un massacre au niveau de chaudé comme ça, eh bien ça nèg pas t'a pardonné Ti Junior. Même j'ai l'impression que ça c'est une goutte d'eau qui fait renverser vase là. Nous praler dans base vite l'homme. Bon, je pas stupéfait le fait que nous avons des nouvelles comme ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Comme si pour une femme dans la gang. En pile fois qu'on joue une femme dans la gang parce que yon même yon kon servi comme éclaireur, comme si yon a là ou yon là. Et comme si là, yon là pour capable attirer garçon. Yon là pour capable bay information. Des fois, les femmes dans la gang comme ça, yon kon paraître pi danger que garçon. Oui, parce que yon même yon conduit plusieurs rôles. Nous prenons bon information concernant et yon certain de Elmita Jean, lycée membre gang Vite l'homme. Ça c'est information la police mettait dehors. Jean Elmita, madame Tigabi, ainsi connu membre gang qui dirigé par Vite l'homme innocent dans Torsel. Jeune arrestation li par bon côté la police dans Pernier, zone qui située dans la commune Pétionville. D'après la police, Elmina, jeune arrestation li pour implication présumée dans Zak banditisme, takou assassinat policier, kidnapping et association malfaiteur. Après arrestation li, Jean Elmita placé dans garde à vue, poursuite judiciaire. Yo. La police profite pour capable annoncer dans cadre exécution nouveau plan sécurité. Li accélérer opération yo yon manière pour capable démanteler foyer gang yo qui a évolué partout dans le pays. En tout cas cette femme là, je pense que li pral tente pour que la police capable alors la justice capable statuer sur ça li. N'a pral faire une petite transition là sous question sanction américaine. Et là, je suis capable de poser une question pour me dire est-ce que si elle n'a pas tombé sous tête sénateur en fonction Ronnie Célestin puis Hervé Faucon. Sanctions américaines contre les politiciens Ronnie Célestin et Hervé Faucon. Les États-Unis d'Amérique annoncé vendredi 2 décembre 2022 à travers Bureau contrôle étranger, ça aurait les OFAC là dans le département Trésor. Li prend sanction contre sénateur haïtien Ronnie Célestin et ancien sénateur Richard Lénine Hervé Faucon. Les États-Unis accusé deux politiciens sa yo pour être utilisé position yo pour faire trafic drogue vers territoire américain d'après département Trésor américain ayant communiqué. Selon les États-Unis,
sénateur en fonction, René Célestin, dans le trafic drogue entre Venezuela, Haïti et les États-Unis, en passant par Bahamas. Quant à l'ancien sénateur sud-lan, Richard Lénine Hervé Faucon, l'État a utilisé avion privé pour transporter drogue vers Sud-Haïti et l'a utilisé influence politique pour placer moun qui facilite trafic drogue dans le pouvoir exécutif haïtien. Dans ce sens, dans le cadre de sanctions, les États-Unis bloquent les propriétés américaines de politiciens haïtiens. Sanctions États-Unis, si là, il fait suite à sanctions pays Canada te imposé contre politiciens haïtiens, yo accusé yo pour comme quoi yo utilisé autorité yo pour entrer dans trafic drogue et alimenter gang armé qui a opéré dans pays ya. Ainsi soit-il. Hervé Faucon en pile fois dénoncé par des journalistes, par des membres de la société civile, par des organismes de défense des droits humains. Mais puisque l'itinéraire bon PHTK, ancien sénateur dans le sud, et qu'il est même tout gagné mêlé dans pile bagaille qui a passé dans le sud, qui gagne contrôle tout yon moun qui a fait un pile bagaille sérieux dans le département d'Enip, qui c'est commissaire Muscadin, parce que ancien sénateur ça li gen oreille commissaire Muscadin. Si Hervé Faucon vle yon bagaille fait, Muscadin a fait le précis, parce que quand vous dites Muscadin, ou dit yon moun qui a obéi à camper l'autre nèg dans pays à tankou Hervé Faucon. C'est triste pour yon nèg kap travail, parce que commissaire Muscadin n'a jamais arrêté yon soldat ou bien yon bandit G9. Donc quelque part gagne une acquaintance, gagne une liaison. Tout bandit qui arrêté, ce sont des bandits qui appartenaient à base village de Dieu, à base Grand Ravine. Jamais un bandit de G9 jeune arrestation. Oui, arrêtez bandit Iso, éclatez tête bandit Iso, éclatez tête bandit Grand Ravine, bandit il a appelé. Mais bandit G9 pas fait zone ça même. Et puis tout, là, nous capable poser tête en pile question pour nous dire que si on est tant que Hervé Faucon gez oreille commissaire Muscadin, il y a de quoi de se poser certaines questions. On a l'autre dossier. Gage dit non que reprise des négociations politiques. Le secteur politique est invité ce dimanche à la résidence officielle du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, pour discuter de la mission du HCT et procéder au choix des 3 représentants du 10 secteur au sein de cette structure. La rencontre est fixée à 11h AM. Donc, yo pral rencontrer avec le Premier ministre, yo pral parler et puis rien sérieux. Solide et allié n'entendent pas participer à la rencontre de ce dimanche avec le PM Ariel Henry, selon Walson Sanon. L'invitation est trop tardive. De ce fait, Solide et allié sollicite un report de 48 heures. En définitive, les négociations politiques reprennent leurs droits. Bon, négociations politiques, à qui ça s'appelle servir? Parce que Ariel Henry, c'est bagay pas la fin. N'a pas gardé pour nous jusqu'à présent, on est au mois de novembre. Ah non, décembre. L'école, pas d'école. Finalement, nous échouons dans le pays. En est sérieux. Bagay yo pral grave pour nous. Qui est timoun yo pral l'école? À Port-au-Prince, dernièrement, on timoun qui pral l'école li recevoir en balle. Et nous tapons des sous audio, côté moun yo a dit, nous poko di moun yo qui est pour voir timoun l'école. Ça veut dire dans la crise qui gagne pourquoi il est là, tout moun victime. Seul monde qui pas victime, c'est nèg qui fait politique yo. Seul nèg qui pas victime, c'est les Ariel Henry, de monde qui gagne petit yo à l'étranger. Mais quand à nous même petit peuple là, qui dans classe moyenne, qui pas gagne gros moyen pour nous avoir petit monde nous, aller même là Saint-Domingue qui parle ouais non. Pour classe défavorisée qui dans difficulté, qui dans la crasse, qui dans la merde. On pas besoin de dire non, ça veut dire petit nous a toujours esclave. De toute façon, moi, je pense que yon joue la joue pour peuple haïtien. Et, question ça, moi, je pense que, bon Dieu, vous le dit un mot pour petit peuple ça. Petit peuple ça qui a souffert chaque jour. Petit peuple ça qui est en difficulté. Petit peuple ça, tout problème, c'est lui.
toute calamité, toute souffrance, bandi a fait le passé misère, nèg politique a fait le passé misère. Moun tout couleur, tout plimaille, c'est sous type peuple haïtien. Gardez qu'on y a même vieux Saint-Domingue sorti pour maltraiter nous, pour faire nous passer misère. En tout cas, moi-même souhaitais que pour peuple haïtien capable caler chill. Pour que nous dit nous pas capable encore. Pour que nous dit eh bien n'a prend destin nous en main. Eh bien, les nous décider faire ça. N'a va gagner yon l'autre pays parce que bagayo trop grave. N'a pas pour nous venir parler sous dossier Jouma par rapport à tweet Teriel là parce que d'après information que nous t'a arrivé jeune c'est que Jouma t'a pour qu'on libéré. Mais écoutez, ça Teriel dit hein, m'pense que li appuyer sous sonnette d'alarme. Écoutez, faites gaffe commissaire gouvernement Port-au-Prince commissaire Lafontan parce que si monsieur Salagé pral gen pile moun ki pral critiquer parce que là on est concerné en prison peut-être nous ka pa konnen qui est ce qui n'amen mais écoutez m'a gen pour me venir dans prochaine émission pour me dire qui est ce qui Jouma. En tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage moi dire fois mes amis pour capable abonner à la chaîne si là et puis pas oublier ba notre petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.